Un projet, une évolution professionnelle, consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 32. Bonsoir, je suis Carole, médium channeling. Mon numéro d'identifiant est le 7088, soit le 70-88. Et je suis avec vous ce soir jusqu'à 23h. Composez dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes, à vos angoisses. On va te prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, Carole. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est Françoise. Je vous ai eu en privé le 22 mars. Oui, c'est possible. Mais Françoise, j'ai tellement eu de monde, j'y voulais que... Oui, je sais. J'ai peut-être du mal un petit peu à vous reconnaître. Mais donnez-moi tout d'abord, Françoise, votre date de naissance. Le 3 décembre 46. D'accord. Quelle est votre question, Françoise? Eh bien, c'est pour le sentimental. D'accord. Alors, il y a un homme à côté de vous? Bah oui, je devais, vous m'aviez dit que j'aurais des nouvelles mi-avril et je n'ai pas eu de nouvelles. Mais il y a un petit retard là, mais les nouvelles arrivent, hein, Françoise. Hein. Oui. Les nouvelles arrivent. Donnez-moi le prénom de cette personne. Oui. Et la date de naissance? Le 28-12-51. Oui, Guy tarde à venir. Guy s'est déplacé. Voilà pourquoi aussi vous n'avez pas eu de, je dirais, de ces nouvelles. Mais vous inquiétez pas, même s'il y a un petit retard, vous allez bientôt de toute façon avoir des nouvelles. Mais j'ai la sensation, si vous voulez, que Guy, il bouge pas mal. Donc, il est tout à fait possible, si vous voulez, que ce retard soit, on va dire, un petit peu en rapport hein, avec, je dirais, ses déplacements. Mais vous inquiétez pas, Françoise. Quoi qu'il en soit, là, dans pas longtemps, hein, moi je vois encore une fois, d'ici un mois, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres retards, mais je vois quand même des nouvelles arriver, Françoise. Hein. Arriver au mois de juin. Oui, c'est ça. Hein. Des nouvelles et un visuel, non? Alors, moi on me parle d'abord de nouvelles, hein, oui. D'abord de nouvelles, un retour si vous voulez. Et suite à ce retour, oui, on parlera de visuel, mais comme j'ai la sensation, si vous voulez, que Guy n'est pas encore très près de vous, si vous voulez, au niveau d'une certaine distance, hein, oserais-je dire, il faudra attendre son retour, ou le retour d'un déplacement, ou le retour d'un voyage, pour enfin qu'il y ait une possibilité de visuel. Hein. Bien, parce que je lui ai envoyé un message il y a quelques jours, oui. Et il ne m'a pas répondu. Parce que je pense qu'il n'est pas là. Moi, je ne le sens pas, si vous voulez, très près de vous. Donc, je pense qu'il est éloigné. Voilà pourquoi il n'a pas pu répondre. Mais est-ce que vous êtes certaine qu'il a eu le petit message? J'en ai même envoyé plusieurs. D'accord, d'accord. Alors, moi, si j'étais vous, là, pour le moment, je mettrais un petit peu ça entre parenthèses. J'attendrai, si vous voulez, qu'il donne des nouvelles. Il va en donner, vous inquiétez pas. Bien. OK. D'accord, Françoise? Donc, je n'ai pas de souci à me faire. Je ne vois pas de soucis. Non, Françoise, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Juste un petit peu de patience encore. Parce que, surtout, il doit sentir, si vous voulez, que vous êtes trop présente. Donc, à la limite, c'est un peu facile pour lui. Parce qu'il sait que lorsque vous êtes dans l'attente, lui peut prendre un petit peu son temps. Alors que si vous coupez, vous allez commencer à lui mettre des doutes. OK. D'accord? Donc, on se met dans une position de recul, là, hein. Donc, il a des sentiments. Ah oui, oui, oui. S'il n'y avait pas eu de sentiments, Françoise, je vous l'aurais dit. Hein. Bien. Bien, ben, je vous remercie, Carole. Merci vous à vous, surtout, Françoise, de m'avoir... Et à bientôt. ...recontacté. À bientôt, Françoise. Au revoir. Vous êtes, bien évidemment, toujours avec Carole, qui est avec vous jusqu'à 23h. Bien évidemment, je suis toujours médium Shining. Vous pouvez toujours composer le 3255. Pour, bien évidemment, que je réponde à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Bonsoir. Bonsoir.
Quel est votre prénom ? Je m'appelle Françoise et je suis née le 29 octobre 1950. Ah, d'accord, c'est la soirée des Françoises ce soir. Redonnez-moi votre date de naissance, Françoise, s'il vous plaît. Le 29 octobre 1950. D'accord. Alors, quelle est votre question ? Alors, moi, c'est d'ordre sentimental. Je voudrais savoir si vous voyez un retour de mon compagnon, parce que là... D'accord. Donnez-moi son prénom. Alors, son prénom, c'est Louis. Et il est né le 19 1963. Oui, alors on dirait quand même que Louis, il joue un peu au yo-yo. Hein. Ouais. C'est, j'avance d'un pas, je recule deux, je ne sais pas trop où j'en suis. Tout à fait, oui. Oui, alors, du coup, vous, ça vous perturbe parce que vous savez où vous voulez aller, notamment, hein, bien évidemment, avec ce monsieur. Et ouais. Ce qui vous chagrine beaucoup, c'est que normalement, Louis, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Seulement, il a un problème, Louis, avec ses relations affectives. Hein. Ce n'est pas spécialement qu'avec vous. Je pense que de tout temps, il a plus ou moins été instable, Louis. Et dès qu'il s'agit de s'engager, il a la trouille. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, une construction possible avec Louis, oui, mais sincèrement, Françoise, je vais peut-être vous décourager, mais ce n'est pas encore, hein, ce n'est pas pour cette année. Hein. Oui. Cette année, on va avoir un retour et encore à nouveau un départ et encore à nouveau un retour. Ça va faire le yo-yo jusqu'à la fin de l'année. Oui, oui, parce que là, il a quelqu'un, là, actuellement. Parce... Pardon, qu'est-ce que vous m'avez dit, Françoise ? Oui, je dis, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Oui, mais je ne vois pas quelque chose de sérieux. Hein. Oui, mais j'ai beau le dire, mais... Non, ouais, moi, je ne vois pas quelque chose de sérieux. Hein. Non, je ne vois pas quelque chose de sérieux. Ça revient à ce que je vous disais précédemment. C'est-à-dire que, pour lui, il choisit, si vous voulez, Françoise, la facilité. D'accord. D'accord ? C'est-à-dire des relations qui soient simples et sans engagement. Et dès qu'on parle d'engagement, ça y est, il est dans la trouille. Il n'y a pas d'autre mot. Ça le pétrifie. Mais ça, François, c'est un rapport avec son passé. Hein. Oui, tout à fait. Oui, son divorce. Parce que je vois quand même un passé très lourd, hein, sur Louis. Oui, hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc forcément, il en est encore, si vous voulez, à ne pas avoir réglé les choses. Il est dans la culpabilité. Ouais. Et surtout, il est vraiment... oui. On dirait qu'il a été trahi, cet homme. Hein. Oui, tout à fait. Et je voulais vous demander, est-ce que vous le voyez, parce qu'on vit encore ensemble, mais il n'est jamais là, hein, jamais, jamais. Est-ce que vous le voyez partir là, définitivement, de la maison ? Moi, je ne vois pas de départ pour le moment. Hein. Pas pour le moment ? Non, moi, je ne vois pas de départ pour le moment. Il me fait des menaces, il n'est jamais là. Hein, Qu'est-ce qu'il vous fait comme menace ? Bah, des menaces, si vous voulez, en disant je vais partir, je vais prendre un appart avec l'autre personne qu'il a rencontrée, enfin, vous voyez... C'est des menaces constantes, quoi. Mais j'ai la sensation quand même que Louis, il a été un peu manipulé par la personne à laquelle il est. Ah bah ça, alors là, j'en doute pas. Ça, alors là... Comme si là, on lui avait un petit peu, entre guillemets, retourné la tête. Hein. Oui, exactement, bah, c'est tout à fait ça. Parce que bon, il y avait quand même déjà, hein, avant cette personne, quelques soucis dans votre couple, mais vous arriviez quand même à gérer. On va dire que vous étiez un peu le capitaine du navire. Hein. Oui, voilà, j'ai toujours essayé de faire tout ce que je pouvais... Mais là, je baisse les bras parce que là, je vois bien qu'il s'éloigne. Il s'éloigne de jour en jour. Alors, moi, si j'étais vous, Françoise, je n'essaierais pas de le retenir pour le moment. Il ne faut pas le retenir. Non, d'accord. Parce que plus vous allez le retenir, plus vous allez lui donner de la force. Ah, d'accord. Et plus vous allez donner de la force à cette nana aussi. Oui. Et vous voyez qu'il va s'en séparer de cette femme-là. Oui, moi, je ne vois pas que ça dure. Si vous lâchez prise, je ne vois pas que ça dure. Vous savez, Louis, j'ai la sensation qu'il fait un peu comme les adolescents. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire, eh bien, on va faire juste pour vous embêter, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, parce que vous avez quand même plusieurs rôles, hein, par rapport à Louis. Vous êtes son amante, sa femme, mais vous avez aussi un petit peu sa mère et son infirmière. Ah ouais, oui, c'est tout à fait ça. Voilà, donc, quelque part, le rapport, si vous voulez, qu'il a avec vous, il est un peu faussé. Donc, ce qu'il fait actuellement, c'est un peu le rapport de l'ado à sa mère. Hein. Mm-hmm. D'accord ? Donc, lâchez prise. D'accord. Lâchez prise et attendez. Et j'attends. Et vous le voyez revenir là bientôt là ou... Pas pour le moment. Hein. Je vois pas de retour si vous voulez pour le moment. Mais si vous lâchez prise, il est tout à fait possible que dans l'été il y ait un revirement de situation assez bouleversant. Hein. Dans l'été. Dans le courant de l'été. Si vous lâchez prise, Françoise, attention. Hein. Oui, je vais vous écouter. Oui, parce qu'il faut que j'arrête d'être. Oui, je pense. Mais Françoise, ce serait peut-être intéressant qu'on se parle hors antenne. Donc, dans ces cas-là, appelez la plateforme, composez mon numéro d'identifiant qui est le 7088, soit le 7088, et je pense que ça mériterait d'être approfondi. Oui,
Oui, tout à fait. D'accord, Françoise. D'accord. Merci, Françoise, écoute, de votre appel. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne merci soirée. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Bonne soirée. Merci. Vous êtes bien évidemment toujours avec Carole jusqu'à 23h, si les choses ne changent pas. Bon, non, normalement, il n'y a rien qui change. Et donc, continuez à appeler le 3255 afin que je puisse répondre toujours autant à vos questions, à vos attentes, en étant, je l'espère, le plus à l'écoute de vos soucis. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Françoise. Encore ? Oui, décidément, c'est la soirée des Françoises. C'est la soirée des Françoises. Je pense que vous êtes donné le mot, non ? Non. Donnez-moi votre date de naissance, Françoise. 23 décembre 1963. Alors, Françoise, quelle est votre question ? D'ordre sentimental, je voudrais savoir si mon mari va revenir. Donnez-moi son prénom. Lionel. Sa date de naissance ? 14 septembre 1961. Vous avez reçu des nouvelles dernièrement ? Ah oui, on est en contact. Eh oui, parce que moi je vois un contact, je vois quand même quelque chose qui se reconstruit. Hein. Alors, petit à petit, on dirait que Lionel, si vous voulez, il a été un peu déçu. On me parle de déception, vous voyez. Il y a quelque chose quand même un peu de... alors, d'un côté, il est bien dans sa peau, et d'un autre, on me parle de dépression. Peut-être, oui, c'est possible, oui. Il est assez fragile actuellement, Lionel. Oui. Et il y a des regrets, hein. Il y a quand même le regret de cette séparation. Hein. Oui. Bon, il y a un retour, mais septembre. Hein. Septembre, pas avant. Hein. D'accord, parce qu'on a une conciliation de divorce, là, le 17 juin. Oui. Et vous pensez qu'il va maintenir... Oui, il la maintiendra. Il la maintiendra parce que, pour lui, c'est une question, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs, mais c'est une question d'orgueil. Donc, il va dire qu'il veut divorcer. Il veut divorcer, mais vous vous remettrez ensemble. D'accord. Vous remettrez ensemble, c'est sûr et certain. Mais il veut aller jusqu'au bout. D'accord. Et vous redeviendrez son amante après. En fait, j'ai la sensation que Lionel vous veut en maîtresse, mais plus en épouse. D'accord. Mais à la limite, c'est pas plus mal hein, de reconstruire, si vous voulez, une relation. Hein. Oui. C'est parce que moi, je souhaite, quoi. Et oui, mais quelquefois, Françoise, il faut peut-être aussi être, je dirais, à l'écoute de l'autre. Pourquoi pas repartir sur une relation d'amant, amant-amante, pour peut-être un peu plus tard reconstruire une relation, je dirais, de mari et femme. Mais il y a eu de la déception dans ce mariage et puis aussi de la lassitude. Oui, mais il a rencontré aussi quelqu'un. Oui, je le vois avec quelqu'un, mais je ne vois pas que ça dure. D'accord. D'accord, mais la personne, ça va se... Parce qu'il doit la rencontrer, là, cet été. Il va partir en voyage pour la voir. Oui. Donc... Oui, mais moi, on ne me dit pas qu'il y a une suite. Hein. D'accord. Non, je ne vois pas de suite. Vous pensez que ça va se finir à ce voyage, quand il va la rencontrer ? Ben, écoutez, moi, j'ai la sensation, si vous voulez, que le voyage en lui-même va bien se passer, que ça va lui permettre de prendre une bouffée d'air, si vous voulez, oui. De pouvoir, bien évidemment, aussi se remettre en question sur pas mal de choses, parce qu'il a fait quand même des erreurs, hein, comme tout humain. Oui. Mais en même temps, je ne sens pas satisfait de, oserais-je dire, de cette rencontre. D'accord. C'est pas ce qu'il attend. D'accord. Mais, Françoise, j'oserais dire, je ne sais pas non plus ce qu'il attend, cet homme. Oui, il ne sait pas. Parce qu'il me... Et c'est ça le problème. Il me fait entendre qu'il veut faire quelque chose, mais il ne veut pas, il ne sait pas, il veut sa liberté, il ne la veut pas. C'est ça. C'est-à-dire que pour le moment, ce n'est pas la peine de lui demander, si vous voulez, un quelconque engagement ou de savoir, puisqu'il ne sait pas. Oui, c'est ce qu'il dit quand je lui pose la question. Voilà, exactement. Donc, pour moi, il vaudrait mieux, Françoise, pour le moment, apprivoiser le temps. D'accord. Et justement.
essayer, alors pardonnez mon, je dirais mon phrasé peut-être un peu cru, mais moi, si j'étais vous, je jouerais plus sur la question de la monte. C'est-à-dire que je l'attirerais un peu dans mes filets, je me ferais le plus belle et le plus sexy possible, et je lui ferais l'amour comme une déesse. Oui, mais c'est ce que je fais, et c'est fatigant parce que ça fait 1 an et demi. Oui, mais je pense que c'est comme ça que vous l'aurez. Parce qu'il y a quand même physiquement quelque chose entre vous qui n'a jamais disparu. Hein. Oui. Il y a une sorte d'osmose sexuelle, si vous voulez, qui peut vous permettre de le récupérer comme vous le souhaitez. D'accord. Bon. D'accord. Donc, d'accord. Vous savez, ma grand-mère disait « on retient un homme par le ventre et le bas-ventre hein. ». Je sais, c'est un peu réducteur. Oui. Mais je pense que chez un homme... voilà, la sexualité est encore plus importante que chez une femme. Oui. Donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut jouer. D'accord. Mais pas spécialement non plus, cette sexualité, Françoise, pas spécialement non plus dans la maison ou dans le lit. Ah non, non, mais je... Oui, oui, non. Hein? Je, dans la voiture, sur le capot, dans la salle de bain, partout. Mais oui, mais c'est ce que j'ai fait aussi. Voilà, donc on est d'accord. D'accord. Oui, mais bon. Bon, et entretenez-vous le plus possible. Soyez chaque fois la plus belle. D'accord. Soyez un objet du désir. D'accord. Bon. D'accord. D'accord. Et après l'amour, évitez les questions justement qui cassent un peu, je dirais, ce rapport. C'est-à-dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? Etc. Non, laissez-le partir. Comme si vous étiez vraiment, voilà, une amante. D'accord. D'accord, Françoise ? D'accord, mais je vous remercie. Merci à vous, à bientôt. Au revoir, Françoise. Vous êtes bien évidemment toujours avec moi jusqu'à 23h, composez le 32 55. Si vous voulez une consultation en privé, n'oubliez pas de mentionner mon identifiant qui est le 70 88. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir ? Bonsoir. Quel est votre prénom ? Corinne. Bonsoir Corinne, votre date de naissance ? Le 7-9-1969. Quelle est votre question ? Oh, il y a un changement. Vous voulez changer de domicile ? Non, pas pour l'instant. Vous voulez faire des travaux chez vous ? Non, pas du tout. Eh bien écoutez, il y aura quelque chose d'obligatoire, hein, bientôt. D'accord. Ou vous changez de domicile, parce qu'il y a un changement, hein. Ou vous changez de domicile, ou en tout cas il y a une pièce obligatoirement chez vous qui aura l'obligation d'être changée, hein. D'accord. Alors, quelle est votre question ? Alors, je voudrais savoir si sentimentalement, je vais faire une rencontre courant 2013. Je suis seule depuis quelques années déjà. Donc, oui. Voilà. Mmh. Oui, mais maintenant, vous voyez, je parlais de changement. Hein. C'est oui. Que vous êtes vraiment en plein changement, même intérieur. Maintenant, vous êtes prête hein, oui, à une oui, nouvelle oui, rencontre. Alors qu'il y a quelques temps, vous étiez plus ou moins habituée hein, à votre indépendance, oui, etc. Exactement. Maintenant, vous avez vraiment envie d'un compagnon de route, vous avez envie d'avancer à deux. Et oui, Corinne, il y a une nouvelle rencontre, courant d'été, on me parle entre le 11 et le 15 août. D'accord. D'accord. Alors, apparemment, ce sera au sujet d'une fête, hein, oui. De quelque chose de festif, en tout cas. Hein. D'accord. D'accord, Corinne. Ce sera, apparemment, on me parle d'un Bernard, donc il est tout à fait possible que vous rencontriez un Bernard, et quelqu'un qui aura, lui aussi, envie de se poser, qui aura eu, qui sera veuf ou divorcé. D'accord. Oui, c'est ce qu'on me dit. Et quelqu'un, apparemment, qui aura vraiment envie de construire. Hein. D'accord, tout à fait. D'accord. Oui, ce que vous cherchez, de toute façon. Oui, hein. Oui, je cherche, oui, bien sûr, tout à fait. Alors, il est possible, bien évidemment, qu'ensuite, ça soit lui, hein, finalement, qui vous fasse les travaux à la maison. Oui, oui, après, oui. Mais pourquoi pas Parce que moi, je vois quand même quelqu'un qui travaille avec ses mains. D'accord. Et c'est pas quelqu'un qui est dans l'art. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, ça, c'est sûr. D'accord. Et vous voyez une bonne complicité, quelque chose de... Pardon, Corinne. Excusez-moi, c'est la régie. Chaque soir, vous savez, ils me disent des bêtises. Alors, à un moment donné, je ne peux, peux pas rester trop sérieuse. Mais bon, Corinne, quoi qu'il en soit, entre le 11 et le 15 août, vous n'êtes plus célibataire, vous êtes en couple, fini la solitude, vous inquiétez pas, le bout du tunnel... Et voilà, bientôt voilà. Là, le soleil arrive et vous allez pouvoir bientôt à nouveau recroire à l'amour.
D'accord, mais c'est ce que j'avais envie, c'est ce que vous me posez comme question. Oui, très parce bien. Que vous avez quand même pas mal souffert. Hein. Oui, exactement. Donc, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes, je dirais, renfermée sur vous-même. Voilà, reconstruite, et puis maintenant, ça va mieux. Voilà. Oui, d'accord. Apparemment, vous avez récupéré toute votre force dans le temps. Hein. Voilà, oui, je pense. Oui, oui, j'en suis certaine. D'accord. Certaine. Alors, Corinne, vous me tenez au courant. D'accord, mais j'y manquerai pas. Je manquerai merci pas beaucoup, Corinne, de votre appel. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On va faire tout de suite une courte pause. Continuez bien évidemment d'appeler le 3255 afin que je puisse continuer à être à votre écoute. A tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons pour cette émission. Bien évidemment, comme je le disais juste avant la pause, je suis avec vous jusqu'à 23h. N'hésitez pas à, bien évidemment, composer le 3255 pour que je puisse répondre à vos questions. Si votre besoin est de me consulter en privé, eh bien, n'oubliez pas de composer mon numéro d'identifiant qui est le 7088, soit le 70-88. On va prendre tout de suite un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Carole, je m'appelle Céline. Céline, bonsoir. Votre date de naissance? Alors, je suis née le 27/09/1980. Alors, quelle est votre question? Alors, ce serait pour savoir si je vais bientôt rencontrer quelqu'un, rencontrer le garçon qui me convient, à qui je conviens. Vous avez un Christophe à côté de vous? Non. Bon, mais ce sera un Christophe. Hein. Prochaine rencontre, et puis c'est rapide là quand même. Hein. Moi, je dirais maximum 5 semaines. Hein. Maximum 5 semaines, vous rencontrez quelqu'un, et on me parle d'un Christophe ou d'un Jean-Christophe. Hein. Donc, oui, Céline. Quant au fait que ça soit votre futur mari ou que ça soit quelqu'un avec lequel vous construisiez véritablement, j'ai des doutes. D'accord ? J'ai mes des doutes. Par contre, il est vrai que cette relation pourra durer toute l'année 2013. Mais je ne vois pas de construction véritable, si vous voulez, avec cette personne. D'ailleurs, c'est vous, au final, qui la quitterez. D'accord. D'accord ? Mais... Il y a quelque chose qui me chagrine, Céline, parce que on dirait que votre esprit, si vous voulez, il est ailleurs. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager? Ben, j'ai envie, ouais. Enfin, je me dis peut-être qu'il faut que je plaque tout, partir et tout changer. Parce que c'est ça, en fait, qu'on me dit, vous voyez. Il y a cette nouvelle rencontre, hein, bien évidemment, Céline, mais ça ne durera pas. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que vous le quitterez, parce que moi, je vous vois plutôt partir. Hein. Moi, je ne vous vois pas rester là où vous êtes. Hein. Parce que votre esprit, il est déjà ailleurs. Mais enfin, si je pars, c'est vraiment pour changer de vie. Et, c'est ça. Et, ouais. C'est ça. Vous voudriez aller où, Céline? Ah ben, là, si je pars, c'est pour faire de l'humanitaire. Oui, et ben moi, je pense que c'est votre destinée. Hein. Je ne vois pas rester là où vous êtes. Hein. Il y a quelque chose de... Vous voyez, il y a quelque chose qui a un rapport avec une vocation. Et là, vous vous sentez de plus en plus prête hein, à partir. Vous n'êtes pas encore tout à fait... Voilà pourquoi on va attendre hein, la fin de l'année 2013. Mais c'est votre vocation, Céline. Vous ne restez pas là où vous êtes. Il y a trop de... Pour vous, il y a trop d'égoïsme. Il n'y a pas assez, justement, d'humanisme. Il y a moi, quelque chose là qui vous bloque. Vie, Enfin, je ne sais pas, j'hésite parce que ça veut dire faire une croix sur ma vie amoureuse, sur des enfants, une vie normale. Pas spécialement, pas spécialement, Céline. Vous pouvez aussi faire l'expérience. Ça ne veut pas dire vous attacher pour toujours à cette expérience. La vie est une expérience. Et moi, je vous invite à le faire, ça. Parce que ça ne veut pas dire non plus que vous ne rencontrerez pas quelqu'un sur le terrain dans lequel vous serez au niveau de l'humanitaire. Hein. Non, non, là, vous réduisez un peu les choses, là, Céline. Non, non, non. Moi, je vous vois de toute façon partir
Et je vous vois faire cette expérience. Mais on parlera bien évidemment de début 2014. On passera d'abord l'année 2013 avec cette personne. D'accord. D'accord, Céline ? Alors, d'accord. Céline, on réfléchit. Vous n'êtes pas non plus à 24 heures près pour partir, laisser faire la destinée. Mais à un moment donné, ce sera vraiment comme l'appel de la foi. Vous voyez, ce sera vraiment quelque chose de très fort et vous serez obligé de partir pour satisfaire votre vie. Tant que vous ne ferez pas ça, vous ne serez pas dans l'épanouissement total, en harmonie avec vous-même. Il y a quelque chose qui vous manque et c'est cette expérience. D'accord, Céline ? Oui. C'est ce que je me dis. Céline, vous me tenez au courant ? À bientôt, Céline. Je vous remercie. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 32 55 pour m'avoir, je dirais, en direct sur cette émission, ce jusqu'à 23 heures. On va prendre tout de suite un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Carole. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Florence. Florence, votre date de naissance ? Alors, le 15 septembre 69. Quelle est votre question ? Alors, je voudrais savoir ce que vous voyez concernant Philippe. Alors, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, Florence ? Oui, pas de souci. Merci. Donc, concernant Philippe, qui est né le 14 décembre 57, je voulais savoir si vous voyez une évolution avec construction tous les deux. Donc, ce qui voudrait dire qu'il quitterait sa femme. Eh oui, mais j'ai bien compris ce que j'allais vous dire, mais il n'est pas seul, cet homme. Bon, il va y avoir, c'est sûr, une évolution entre vous. Mais je ne le vois pas quitter sa femme pour le moment. Il y a un lien matériel. Il n'y a pas un lien, si vous voulez, amoureux. D'accord ? Je vous rassure de suite. Avec sa femme, on va dire, c'est plus une colocation qu'autre chose. Il n'y a pas d'harmonie, d'accord ? Il n'y a pas tout ce qu'on peut construire dans un couple. En revanche, il y a quelque chose au niveau matériel qui les lie et qui le ligote un peu. Donc, cette évolution que vous attendez ne pourra se passer que mi-2014, c'est-à-dire entre juillet et août 2014, il y aura en effet la découverte de quelque chose qui l'obligera à prendre une décision, mais pas cette année. D'accord. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore en train de... Est-ce que dans sa tête, il a envie de... Ah, mais ça, j'en suis certaine. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, de toute façon, le couple est mort, mais il est lié matériellement. Ce qui veut donc dire que, quelque part, ce n'est pas parce que, si vous voulez, il veut partir qu'il peut partir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Il faut qu'il trouve des solutions. Exactement. Et ces solutions, elles ne pourront être trouvées, à mon goût, d'après ce que je sens, que l'année prochaine. Et entre-temps, comment ça va se passer ? Votre relation, moi, je n'ai pas trop de soucis par rapport à votre relation. Elle va évoluer parce que les sentiments sont là. Et je le sens, si vous voulez, comme un homme sincère. Pas comme un homme qui pourrait vous mentir ou qui pourrait vous manipuler. Non, je le sens sincère dans ses actes, je le sens sincère dans son amour pour vous, mais je le sens aussi prisonnier, un petit peu pris au piège, si vous voulez. Et on me parle d'engagement financier qu'il a. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, il faudrait qu'on approfondisse hors antenne, mais c'est vrai qu'on me parle, si vous voulez, de quelque chose de précis qui le ligote. D'accord. Donc, Florence, il faudra attendre, mais... Là où je peux vous rassurer, c'est que c'est quand même une relation saine, dans le sens où il est réellement sincère avec vous. Alors, est-ce que les visuels vont être un petit... Enfin, est-ce qu'il va être un petit peu plus dans le rapprochement et qu'on va se voir un petit peu plus à un rythme plus régulier ? Plus régulier, pour la rentrée, oui, à partir de septembre. Il va falloir, je dirais, passer l'été, D'accord. Mais c'est dans l'été que votre relation va évoluer véritablement. Il va y avoir un bouleversement chez lui, comme un manque, vous voyez. Et là, il va se rapprocher de vous de plus en plus. Et à partir de septembre, en effet, on pourra là parler d'une évolution à proprement dite. Pardon. D'accord.
D'accord, Florence. Parce que ça fait déjà 4 ans. Mais je ne perds pas mon temps ou je perds mon temps? Moi, je ne sens pas que vous perdez votre temps. Si vous avez encore un peu de patience. Oui, j'en ai encore. Donc, moi, je ne pense pas que vous perdiez votre temps. D'accord. Donc, essayez de lui faire confiance. Et si vous voulez qu'on approfondisse, appelez-moi Rontaine. D'accord, Florence? D'accord, Carole. Merci beaucoup de votre appel. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah, on va passer donc à la question confidentielle. Comme chacun le sait, la question confidentielle, c'est une question que j'entends, mais que vous n'entendez pas. Allô, allô? Allô? C'est tellement confidentiel que finalement, même moi, je ne l'entends pas. Allô? Ah, vous êtes là? Bonsoir, vous étiez perdu. D'accord. Oui, excusez-moi, comme, vous savez, les gens du Sud, on rit beaucoup et on rit facilement. Hein. Alors, donnez-moi votre prénom. Tout à fait. Oui, très bien, donnez-moi votre date de naissance. D'accord. Alors, quelle est votre question? Alors, c'est donc une question sentimentale. Alors, apparemment, vous souhaitez, je dirais, avoir des nouvelles d'un homme ou en tout cas un engagement d'un homme. Ah, c'est ça, d'accord. OK. Vous me donnez son prénom? Sa date de naissance? Mais qu'est-ce qui vous chagrine? Vous avez raison, il y a un problème, je dirais, au-delà hein, du sentimental, il y a un problème, en effet, un peu de dépression. Il ne va pas très bien, vous avez raison de vous en inquiéter. Je pense qu'il faudrait essayer de communiquer encore plus que vous le faites, parce que pourtant vous le faites très bien. Vous le connaissez parfaitement hein, d'ailleurs. Mais je pense que là, il y a un besoin de communication. Il y a quelque chose qui est au fond de lui, qui le chagrine. Et c'est vrai que c'est un rapport avec la dépression. Il se pose beaucoup, beaucoup de questions. Énormément de questions par rapport à son avenir. Et puis, c'est quelqu'un d'inquiet. Donc, comme votre époux est quelqu'un, si vous voulez, d'inquiet, il anticipe toujours les choses, même des événements qui n'arrivent pas. Donc du coup, si vous voulez, il s'angoisse, oserais-je dire, pour rien, hein, puisque il angoisse sur des événements inexistants. Donc du coup, il se fait toute une histoire dans sa tête et finalement, il se rend malade pour rien. Eh bien écoutez, moi je conseillerais véritablement qu'il consulte. Hein. Qui consulte un médecin ou qui consulte un psy, oserais-je dire, pour pouvoir s'allonger sur le divan et parler. Hein. Là, c'est pas, là, vous ne pourrez, entre guillemets, rien faire pour lui. Ça, j'en suis certaine, mais la solution, elle est vraiment là. Hein. Votre époux est quelqu'un... là, qui se pose vraiment trop de questions et qui se perd dans des questionnements, je dirais, dans des méandres qui n'ont pas lieu d'être. Et du coup, il se perd tout seul. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, vraiment, je ne vois pas d'autre solution que la démarche chez un médecin. C'est obligatoire. Sinon, pardon, je vais être un petit peu négative, mais ça va aller de mal en pis, hein. Parce que là, il est déjà quand même en pleine dedans. Hein. C'est ça. Alors, moi, je vous vois déménager, mais c'est toujours pareil. Si cet homme ne va pas mieux avant le déménagement, il ne transportera ses problèmes que d'une maison à l'autre. Hein. Donc, ça ne sert à rien de changer, si vous voulez, de lieu d'habitation pour penser que ça ira mieux, puisque le fond du problème, ce n'est pas changer de lieu d'habitation. Que vous habitiez dans un studio ou dans un château, ce sera la même chose. Non, c'est quelque chose de plus profond encore.
Mais non, vous n'y arriverez pas. Il faut absolument qu'il voie quelqu'un. D'accord ? Merci de votre appel. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir, être encore plus à l'écoute plus longtemps. Essayez de me consulter en privé si vraiment il y a des choses que vous voulez savoir beaucoup plus amplement à propos de votre époux. N'oubliez pas mon numéro d'identifiant qui est le 7088, c'est-à-dire le 7088. Et je me ferai un plaisir, bien évidemment, de pouvoir approfondir. Merci à vous de votre appel. Au revoir. On va prendre tout de suite un autre appel qui, là, bien évidemment, n'est plus dans la question confidentielle. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Claude. Claude, il y a un fou rire sur le plateau incroyable ce soir. Hein. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais disons que j'ai une régie aussi fantastique, qui a beaucoup d'humour. Ah, oui. D'ailleurs, le monsieur qui fait la régie ce soir est arrivé en short hein, et en bottes, hein, en cuissarde. Donc, vous voyez, juste pour faire rire tout le monde. Alors, Claude, bonsoir. Quelle est votre date de naissance ? Le 24-7-64. Excusez-moi, répétez-moi votre date de naissance. Le 24-7-64. Quelle est votre question ? Alors, ma question a trait sur le professionnel. En fait, c'est deux sous-questions pour une question. Je sais pas si ça te dit. D'accord. Vous aimez bien, vous, tout ce qui est dessous, hein ? Oui. Alors, c'est professionnel. Alors, la première, c'était de savoir si au mois de juillet, vous me voyez travailler. Je reprends mon contrat au mois d'août, mais c'est vrai qu'au mois de juillet, j'en sais rien. Et puis, à partir du mois de septembre, savoir si effectivement mon employeur va pouvoir me proposer un poste à responsabilité ou pas. Ben, disons que oui, obligatoirement, il y a une évolution. Hein. Vous êtes de toute façon soumis, que vous le vouliez ou non, hein, là on peut parler de destinée, vous êtes soumis à l'évolution. Oui, septembre-octobre, il y a comme un nouveau poste qui se crée et où apparemment vous en aurez la responsabilité et c'est vous qui serez obligé, oserais-je dire, de le créer ce poste. Hein. Non, mais alors, si vous préférez, je vais dans votre sens. Mais le souci, c'est qu'effectivement, mes chefs veulent me donner ce poste à responsabilité dès le mois de septembre, à la rentrée prochaine. Mm-hmm. Sauf que, a priori, sur les instances plus hautes, les critères définis, pour l'instant, je ne rentre pas dedans par rapport à l'ancienneté du poste. Voilà. D'accord, oui, d'accord, ok. Mais pourtant, hein, vous aurez ce poste. Hein. Alors, c'est tout à fait possible que vous ayez ce poste, si vous voulez, peut-être en 2014 pour former d'autres gens, d'accord ? Parce que moi, c'est ce qu'on me dit, on me parle de formation, vous serez obligé de former une équipe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est septembre-octobre, vous avez ce poste. Hein. Même si vous ne rentrez pas dans les, dans les cadres, eh bien, apparemment, vos supérieurs vont quand même, ou en tout cas, vos chefs hein, vont vous aider à avoir ce poste. Hein. Vous êtes, parce que vous êtes très, très apprécié. Hein. Mmh. Oui, et oui, vous êtes apprécié notamment en rapport à la rapidité. Oui, c'est possible, oui. Bah, là, en plus, j'ai accepté au mois d'avril, là, au pied levé, un poste de direction, parce qu'ils étaient dans la panade jusqu'au début juillet, quoi. Oui. Et c'est vrai que ça se passe très, très bien, quoi. Oui, tout à fait, oui. Moi, je ne vois pas de souci, Claude. Hein. Mmh. Je ne vois vraiment aucun souci. Hein. Bien au contraire, hein, je vois que vous avez, saisi votre chance par rapport à ce que vous venez de me dire. Je vois au mois de septembre ce poste. C'est vrai qu'on va devoir vous appuyer, mais vous allez être appuyé. Je vois vraiment aucun souci. Alors, c'est vrai que là, il y aura peut-être, à partir du mois de juillet, un moment, si vous voulez, de flottement. Hein, mais moi, je vous vois reprendre les choses normalement. Hein. Parce que je ne sais pas, en fait, compte pour le mois de juillet. Là, on me propose un poste de direction, justement, à plusieurs centaines de kilomètres de Paris. Mmh. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. On m'a relancé encore ce soir. J'en sais rien, en fait. Moi, je vous en bats partir à une centaine de kilomètres de Paris. Hein. Mmh. Pas en 2013, en tout cas. Hein. Je voudrais revoir ça pour 2014. Mais en 2013, oui. Je vous vois pas partir à une centaine de kilomètres. Hein. Mmh. Est-ce que vous me voyez plus faire éventuellement en juillet des petites missions d'une semaine par-ci, par-là, quoi ? Oui, mais si vous voulez, je ne peux pas, je ne le vois pas à proprement dit, parce que c'est des choses qui sont très courtes.
et qui n'ont pas, si vous voulez, véritablement d'importance dans votre destinée. Mm-hmm. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aimerais bien qu'en juillet, je sois dans mes cartons pour déménager, hein, je ne vous le cache pas. Ben, moi, je ne vois pas non plus de soucis. Hein. Je ne vois pas de soucis. Claude, si vous voulez qu'on approfondisse, appelez-moi hors antenne, d'accord? Merci de votre appel, Claude. Merci, bonne soirée, Carole. Ah, Claude, oui, j'allais oublier, parce que je m'excuse, j'ai oublié depuis le début de l'émission, en fait, un jeu que l'on fait. Alors, Claude, vous allez, donc je m'en excuse hein, auprès des consultants précédents, j'ai manqué à tous mes devoirs, j'espère que vous me pardonnerez. Alors, Claude, vous allez... Donc, je suis la sixième personne dont j'ai le droit de tirer six cartes, vu que les autres ne l'ont pas fait. Oui, c'est vrai que ça serait possible, mais malheureusement, c'est le temps qui va nous manquer. Alors, Claude, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 51, s'il vous plaît. Ah bon, 51? Eh oui. 51, c'est quoi comme jeu? C'est un jeu de belote? C'est l'oracle Béline. Bah allez, je vais dire 42. Et non, malheureusement, Claude, c'est pas la bonne carte. Ah, j'en étais pas loin. Claude, à bientôt, merci de votre appel. Merci, au revoir, bonne soirée. On va prendre tout de suite un autre appel, mais vous pouvez, hein, bien évidemment, continuer à composer le 3255 pour que je puisse répondre à vos attentes, à vos questions. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelais Maria. Maria, votre date de naissance? Le 7 septembre 72. Alors, quelle est votre question? Ma question, c'est pour savoir si vous voyez une rencontre sentimentale cette année. Si c'est possible. Mais vous n'avez pas un homme? Non. Il n'y a pas un homme à côté de vous? Non, je n'ai personne. Eh bien, ça va arriver rapidement alors, là, hein? Ah! Ah oui, ça va arriver rapidement. Mais ce sera un étranger, hein, d'accord? C'est pas, ce sera un étranger, c'est quelqu'un qui aura habité au-delà des océans. Je le vois avec la peau mate. Et quoi qu'il en soit, Maria, oui, je vois une nouvelle rencontre. Et je vois une nouvelle rencontre courant d'été. Courant d'été. Courant d'été. Là, ça y est, vous êtes open. Je suis open. Pour rencontrer quelqu'un. Parce que c'est vrai qu'encore jusqu'à l'année dernière, il y a eu des événements dans votre vie qui vous ont un peu refroidi, on va dire. Des événements, pas au niveau sentimental. Non, dans votre vie en général. Oui, peut-être, ouais. Professionnellement. Tout à fait. Et donc, je pense, si vous voulez, que vous n'étiez pas prête. À cause, hein, justement, de ces problèmes, que vous n'étiez pas prête pour rencontrer, je dirais, la bonne personne. Maintenant, c'est pour ça que je dis que vous êtes open, parce que maintenant, vous le souhaitez, vous le voulez, et parce que vous le souhaitez et que vous le voulez, il va arriver, et il va arriver courant d'été. Hein. D'accord. Mais on me parle d'un étranger, quelqu'un qui arrive de l'étranger ou qui est étranger, et avec lequel vous allez avoir les mêmes valeurs. Parce que vous avez beaucoup de valeurs, Maria. Merci. Donc, vous êtes vous êtes pieuse? Pieuse? Oui, est-ce que vous priez? De temps en temps, oui. Bon, et ben peut-être qu'il faudrait se mettre un petit peu plus à la prière. Ah d'accord. Oui, parce que je pense que si vous vous priez justement votre ange gardien, je suis certaine qu'il vous donnera la possibilité de rencontrer la bonne personne. Il va vous aider dans vos démarches. Il va aider le hasard, le destin. Et c'est ce que la rencontre sera constructive, c'est-à-dire... Oui, ça j'en suis sûre. Sinon, Maria, je vous aurais dit, oui, il y a une rencontre, mais malheureusement, je ne la sens pas constructive, etc. Non. Là, je peux dire, oui, n'oubliez pas, je vous ai dit, Maria, il aura les mêmes valeurs que vous. D'accord. Donc, d'accord. Quelque chose de durable. Oui, tout à fait. De toute façon, bon, vous, c'est ce que vous recherchez, hein. Ah oui, tout à fait. Oui. Vous ne voulez pas d'un homme qui soit un mari couche-toi là? Oui, voilà. Entre guillemets, mais hein, bien évidemment. Ouais. Oui. Eh oui, normalement. D'accord. Bon, mais tout va bien. D'accord, Maria. D'accord. Bon, mais c'est gentil. Merci, Maria, de votre appel. Au revoir. Au revoir. Merci, Maria, au revoir. Ah oui, Maria, la carte. Ah, bon, trop tard, Maria, je suis désolée. Alors,
Alors, vous pouvez continuer à appeler le 3255. Je suis vraiment désolée, la régie est... la régie est vraiment intenable ce soir, alors pardonnez-moi mes éclats de rire. Vous pouvez donc bien évidemment continuer à composer 3255 afin que je puisse répondre à vos questions. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Catherine. Je suis née le 05-03-69 et je voulais savoir si vous pouvez me dire quelle est mon évolution, mon avenir professionnel. Plus précisément, je rencontre un petit peu quelques soucis avec une dame. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Il y a des, on dirait qu'il y a des gens qui ne vous entendent pas, qui ne vous écoutent pas. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, au départ, vous avez essayé de combattre, hein, Catherine, oui, pour être entendue. Je vous vois même écrire, il y a des écrits. Et tout passe à la trappe. C'est comme si, entre guillemets, vous aviez la sensation de ne pas exister. Oui, c'est ça. Mais il y a une femme, là, à côté, qui vous jalouse, hein. Oui. Et c'est cette femme hein, qui, oserais-je dire, qui est à l'origine de tout. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chaque fois que vous parlez, elle passe par derrière pour raconter un petit peu tout et le son contraire, on va dire. Hein. Elle vous discrédite. Hein. Je pense qu'elle met la zizanie dans l'entreprise, même. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon, Catherine ? Elle met la zizanie dans l'entreprise. Oui, et puis, il y a quand même... ce qu'on me dit, c'est qu'il y a cette jalousie. Elle a un problème d'ego, cette femme. Hein. Et alors, ma question, c'est qu'est-ce qui va ressortir de tout ça ? Ressortir de tout ça, malheureusement, Catherine, ça, je ne peux pas vous le dire ce soir. Il faudrait approfondir pour être plus précise. Moi, ce que je vois, c'est que ça risque de continuer quand même. Hein. D'accord. D'accord ? Ça risque de continuer quand même et je vous sens quand même dépourvu de, oserais-je dire, dépourvu de force. Parfois, oui. Je baisse un peu les bras, ça dépend des jours. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Bah, disons que je m'entends très bien avec un responsable hiérarchique. Oui. J'avais des très bonnes relations depuis de nombreuses années. Bon, je les ai toujours, mais c'est plus pareil, c'est... Et si vous voulez, je suis un peu une battante et je souhaitais progresser. Et j'ai l'impression que depuis qu'elle est arrivée, ça a tout stoppé, mes ambitions, si vous voulez. Vous ne pensez pas qu'il y a une histoire, pardonnez-moi l'expression, de fesses ? Entre la oui, personne... là-dessous. Et... Ou en tout cas, peut-être pas une relation, je dirais, officielle, ni officieuse, mais elle aimerait bien. Entre cette personne et l'autre personne C'est tout à fait possible, oui. Là, je peux pas... Là, je... Aujourd'hui, je ne m'en suis pas rendu compte. Ah ben, de toute façon, ça va être fait de manière discrète, donc vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais moi, on me parle quand même d'une relation un peu ambiguë. Hein. D'accord. Et c'est ce qui lui donne de la force. Hein. D'accord. Mais vous avez écrit déjà ? Parce que moi, je vous vois réécrire, je vous vois envoyer un courrier. Non, non, non. Alors, peut-être qu'il vous faudrait envoyer un courrier, essayer de... vous avez essayé de communiquer avec elle, déjà ? Non, parce que je prétends valoir autant... Enfin, je suis là depuis de nombreuses années et j'estime avoir autant de valeur qu'elle, donc je ne m'abaisse pas, si vous voulez. Enfin, je suis correcte, mais je ne m'abaisse pas. Oui, vous êtes courtoise. Voilà. Oui, d'accord. Vous n'avez rien reçu de sa part, aucun courrier. Il n'y a pas eu d'échange de lettres. Bah, disons qu'on travaille ensemble, donc non. Ah, parce que moi, je vois un courrier. Il y a quelque chose qui a un rapport avec un courrier. Donc, il faudrait approfondir, Catherine. D'accord. D'accord ? D'accord. Alors, mais je... Catherine, oui, avant de nous laisser, mais, tant que j'y pense, donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 51. 14. Malheureusement, Catherine, ce n'est pas le bon chiffre. Vous, malheureusement, retentez votre chance pour pouvoir peut-être gagner 10 minutes donc, de consultation offerte. Parce que c'est vrai que je n'ai absolument pas dit pourquoi il fallait tirer une carte. Je suis vraiment désolée. Merci, Catherine, de votre appel. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Continuez à composer le 3255 afin que je puisse donc continuer à vous... répondre au téléphone, hein, à répondre à vos attentes, à vos angoisses. Si jamais vous voulez me consulter en privé,
N'oubliez surtout pas ce chiffre qui est extrêmement important, voire primordial, le 70 88 70 88. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Michel. Je suis née le 21 septembre 1949. Et je suis dans le 06. Quelle est votre question, Michel ? Voilà, je voudrais savoir si vous voyez faire une rencontre sérieuse, s'il vous plaît. Oui. Oui, mais il va falloir attendre la fin d'un cycle, là. Hein. Vous êtes en fin de cycle. Donc, tant que vous n'avez pas passé hein, cette fin de cycle, eh bien, en effet, les rencontres, je dirais, se font rares. Mais vous inquiétez pas. Oui, il y a un homme qui arrive, je dirais, dans votre vie en septembre. En septembre, en oui. septembre, Michel. Alors, on me parle d'associations. Peut-être que si vous vous ouvriez à des associations, ce serait peut-être bien, parce qu'apparemment, cette personne fait partie d'un groupement. D'accord. Vous faites partie d'associations ou pas ? Non, pas du tout. Eh bien, Michel, va falloir s'y mettre. D'accord. D'accord ? Parce que c'est là que vous allez le rencontrer. Vous allez le rencontrer au cours d'une soirée, mais quelque chose qui a, je dirais, un rapport précis avec une famille, un groupement. Donc, voilà pourquoi je pense aux associations. D'accord. Mmh. Essayez peut-être une association déjà de danse, pourquoi pas, hein, pour danser. Et puis, pourquoi pas une association philosophique hein. Oui, j'avais pensé à la méditation. Oui, oui, ça peut être utile aussi. En effet, ça peut être quelque chose de très bien. Mais en tout cas, inscrivez-vous à une association qui soit en rapport avec votre bien-être et avec ce que vous souhaitez. Et c'est là que vous le rencontrerez. Tant que vous ne serez pas inscrit dans une association, rien ne se passera. D'accord. D'accord ? Donc là, c'est à vous à provoquer la destinée, c'est à vous à provoquer les choses, afin de rencontrer, pardon, ce fameux homme qui vous attend déjà. Une association, c'est-à-dire de, je ne sais pas moi, de, je vois pas. Ah, je viens de vous la citer, oui, Michel. Oui. Ou une association pour danser, ou une association d'accord. pour méditer, ou une association pour penser. D'accord, oui, tout à fait. D'accord, Michel ? Oui, vous le voyez comment, cette personne ? Je ne la vois pas, je ne peux pas vous dire comment oui. je la vois physiquement, ce serait vous mentir. Je ne la vois pas physiquement, je vois juste, si vous voulez, que c'est un homme qui aime la vie et qui aime la fête. D'accord. D'accord ? Et qui n'est pas en couple. D'accord, c'est important. Et qui a deux grands-enfants. D'accord. Peut-être des jumeaux, parce qu'on d'accord. me parle de jumelage. D'accord, Michel ? D'accord. Alors, avant de se séparer, Michel, oui. donnez-moi le fameux chiffre magique. Ben écoutez, le 7, non. Malheureusement, Michel, ce n'est pas le chiffre qui ouvre la porte à une consultation de 10 minutes gratuite. D'accord. Michel, retentez votre chance ou si vous voulez qu'on approfondisse, eh bien, appelez-moi hors antenne. N'oublions pas mon numéro d'identifiant qui est le 70 88. Merci beaucoup, Michel, de votre Merci, appel. Merci, au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255 pour avoir affaire à Carole, médium channeling, et qui sera là, bien évidemment, jusqu'à 23h pour répondre à vos questions, à vos attentes. On va prendre encore un autre appel, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Pierrette, je vous ai eu déjà hier soir. Oui, voilà. Oui, Pierrette, ça me dit quelque chose. Oui, le 25-09-50. Oui, quelle est votre question, Pierrette ? C'est toujours à propos de Jean, parce que je l'ai vu ce matin en consultation. Pierrette, est-ce que vous pourriez, pardonnez-moi de vous couper, est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, parce que je ne vous entends absolument pas. Oui, alors, oui, ça concerne Jean. D'accord. Donc, je voulais savoir où j'en étais exactement, enfin, où il en était lui. Voilà, c'était une personne pour qui j'ai des sentiments, mais je ne savais pas s'il en avait. Vous m'avez dit que oui, mais rien ne se manifeste. D'accord, ok. Donc, bon, alors, il est certain, oui, en effet, que Jean, de toute façon, a des sentiments, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il tarde
un petit peu à venir. Il tarde un petit peu, oserais-je dire, à s'engager. Il faudra encore un peu de patience, Pierrette. Encore un petit peu, je dirais, d'attente, parce que c'est vrai que les choses ne se font pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Mais Jean est bloqué actuellement. J'oserais dire qu'il pense à de mauvaises choses en ce moment. Il ne va pas très bien dans sa tête. Hein. Mais vous avez eu des nouvelles ? Allô, Pierrette ? Je crois qu'on a perdu Pierrette. Vous l'entendez très mal. Allô, Pierrette ? Oh, on a perdu Pierrette. Ah, oui, allô, bonjour. Alors, Pierrette. Bon, Pierrette a disparu. J'espère qu'on la retrouvera rapidement. On va prendre tout de suite notre appel, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur ? À Abdelkader. Bonsoir, Abdel. Donnez-moi votre date de naissance. Le 20/09/1973. Quelle est votre question ? Alors, moi, c'est mes relations avec mon épouse. Oui, c'est tendu en ce moment, hein ? Très. Mais... Vous allez me donner son prénom, mais avant de me donner son prénom, j'ai un souci, Abdel, c'est parce que d'habitude, ce sont les hommes qui ont des problèmes de communication. Alors, je dis bien d'habitude, c'est d'une manière générale. Hein, mais là, j'oserais dire que c'est elle qui a des problèmes de communication. Oui. Alors, ce qui est quand même curieux dans votre épouse, c'est qu'elle vous reproche des choses même inexistantes. Oui. Donc, là, il y a quand même un souci. Donnez-moi son prénom. Laurence. Sa date de naissance ? Le 30/08/1979. Ouais, alors, elle a quand même des soucis, hein, Laurence. Hein. Bon, ce qu'il y a, Adèle, c'est qu'elle avait déjà des soucis avant vous, hein ? Oui. Y a des soucis, puis alors il y a un rapport à la possession là qui n'est pas très sain. Hein. À la possession. Oui, à la possession. Oui, c'est quelqu'un qui est possessif, si vous voulez. Et elle est possessive, elle a peur de tout. Vous voyez, donc il y a un problème de confiance par rapport à vous. Mais attention, Adèle, hein, je précise bien, elle avait déjà ce problème-là avant vous. Hein. Oui. D'accord, il y a un problème avec le père hein, qu'elle n'a pas réglé. Hein. Et parce qu'elle n'a pas, si vous voulez, réglé les choses, je dirais qu'elle n'a pas posé hein, les choses, elle fuit un peu, voyez la vérité. Bon, on fuit tous un peu hein, la vérité, on aime bien se mentir un petit peu pour créer l'illusion, mais là, on est quand même dans un problème assez important. Hein, c'est-à-dire que j'ai la sensation, si vous voulez, que chaque fois que vous faites quelque chose, ça ne va jamais. Chaque fois que vous dites quelque chose, ça ne va jamais. Tout ce que vous pouvez être ne va jamais. Et dès que vous proposez une solution, elle est réfractaire. Oui. Et je vous sens assez malheureux parce que vous l'aimez. Hein. Énormément, oui. Mais elle aussi hein, vous aime. Attention, hein, Abdel. Hein, c'est vraiment... c'est inconscient, si vous voulez, ce problème. Et là aussi, Abdel, j'oserais dire qu'il faut l'obliger à faire une démarche hein, chez un psy. Hein. Il est temps qu'elle règle ses problèmes avec son passé. Hein, parce que le problème qu'il y a, c'est que j'oserais dire qu'elle fait un transfert hein, sur vous. Hein. Oui, j'en doute pas. Donc, tant que ce transfert ne sera pas réglé, c'est pas la peine de penser que ça va ou de croire que ça va aller mieux. Hein. Je vous mentirai. Hein. D'accord. Mais est-ce qu'il va y avoir un retour ? Moi, je vois quand même un retour parce que de toute façon, il y a quand même de l'amour. Mais il faut absolument qu'elle règle ses problèmes pour qu'ensuite, vous puissiez à nouveau vivre en harmonie. Mais je pense, Abdel, que là, ça mériterait quand même un approfondissement en rondaine. Hein. Parce que là, je vois quand même des choses... Oui, ça mériterait un approfondissement en rondaine, Abdel. Oui, maman. D'accord ? Oui, j'entends bien. Hein, je vous invite à m'appeler en rondaine parce que là, il y a quand même des choses, si vous voulez, que je ne peux pas livrer hein, devant la caméra. Hein. D'accord. D'accord, Abdel ? Okay. Donc, Abdel, avant hein, de se séparer, n'oubliez pas de me donner le petit chiffre magique. 48. Malheureusement, Abdel, la porte reste fermée.
Vous n'avez pas droit encore à 10 minutes de consultation offerte. Oui, mais vous tentez votre chance, oserais-je dire. Mais, ou sinon, rapidement. Plus très rapidement, au niveau du retour. Mon numéro identifiant est 7088. À bientôt, Abdel. Merci. On va faire de suite une courte pause et je vous retrouve juste après. Un projet, une évolution professionnelle, consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255. Et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve donc encore pour une petite trentaine de minutes. Je suis donc avec vous, bien évidemment, jusqu'à 23h. Alors, ruez-vous sur vos téléphones pour composer le 3255 ou appelez-moi Rantaine en stipulant bien évidemment le numéro d'identifiant 7088 afin que je réponde encore pour une trentaine de minutes à vos questions, à vos attentes. On prend de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Patrice. Patrice, donnez-moi de suite votre date de naissance. 27-02-1972. Quelle est votre question, Patrice ? Est-ce que je vais bientôt faire une rencontre sentimentale ? On me parle d'une Séverine. On me parle d'une Séverine, mais apparemment, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. Alors, je dis bien croisé, hein, oui, Patrice. Oui. Hein, je ne dis pas que vous l'avez côtoyé ou que vous l'avez déjà rencontré, croisé. Hein. Ça ne me dit rien. Ah oui, mais moi je vois ça, mais bon, cette nouvelle rencontre, oui, donc elle va arriver. On va être d'abord sur un phénomène, je dirais, de séduction, hein, bien évidemment. Et oui, une nouvelle rencontre pour, à cheval, on me dit, entre juillet et août, quelque chose de manière bouleversante et qui vous apportera quand même enfin sérénité, parce que vous êtes beaucoup en manque d'amour, là, hein, Patrice. Hein. Là, vraiment, ça devient, oserais-je dire, ça devient vital pour vous, hein. Tout à fait, oui. Parce que vous avez beaucoup d'amour à donner. Et du coup, bien sûr, vous donnez à vos amis. Vous essayez de manière générale d'être généreux parce que vous êtes vraiment quelqu'un de généreux. Mais là, ça va. Hein, c'est ras-le-bol, là, la solitude. Hein. Là, vous avez vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un, je dirais, de manière profonde. Hein, parce que moi, on me parle de voyage. Vous avez envie de voyager aussi avec quelqu'un. Oui, tout à fait, oui. Oui. Donc, et de construire aussi, d'acheter. On me parle d'un achat, de quelque chose, vous voyez, d'immobilier. Alors, oui, Patrice, une nouvelle rencontre à cheval, comme je vous ai dit, entre juillet et août. Donc, patience, Patrice. Elle sera sûrement blonde, parce que là, on me parle d'une blondeur. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette personne. On me parle d'une quelqu'un de blond et quelqu'un qui aura approximativement le même âge que vous. Hein. D'accord. Je ne vois pas quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé. Si elle est plus jeune, ce sera quelques mois. Hein. D'accord, ok. D'accord, Patrice. D'accord. Merci beaucoup, Patrice, de votre appel. Eh oui, Patrice, avant de se laisser, décidément, ça ne rentre pas. Ça. Donnez-moi le chiffre magique. Le 15. Malheureusement, Patrice, ce n'est pas le bon chiffre. La porte reste fermée. À bientôt, Patrice. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, pour répondre à la régie, je parle de la porte qui amène bien évidemment à cette fameuse consultation gratuite de 10 minutes. On prend de suite un autre appel, merci. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Clémentine. Clémentine ? Oui. Oh, c'est Mimi ! Clémentine, votre date de naissance ? 18 janvier 48. Ah, c'est vraiment adorable ce prénom. Quelle est votre question ? Je voudrais savoir si je vais trouver quelqu'un cette année. Ou... Oui, il vaudrait mieux cette année, hein ? Ouais, bah, ouf. Cette année ou l'année prochaine.
Oui, alors, vous êtes quand même dans une année propice à la nouvelle rencontre. Hein. Mais on me dit, Clémentine, que des rencontres, vous auriez pu en avoir, oserais-je dire, bien avant, et c'est vous, à la limite, qui les avez refusées. Oui, parce que ce n'était pas intéressant. Oui, mais Clémentine, moi, on me parle d'ouverture, d'un peu plus d'ouverture, de laisser peut-être un peu plus l'homme, de manière générale, à venir vers vous, parce que vous êtes trop méfiante. J'ai pas compris. Vous êtes trop méfiante. Il faut laisser l'homme venir à vous. Oui, je suis méfiante. Et oui, et c'est ça, en fait, qui bloque un petit peu la destinée. On me parle de cette méfiance qui est quand même assez importante chez vous, hein. Oui. Notamment en rapport avec une trahison que vous avez eue de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Alors, s'il vous plaît, Clémentine, oui, je vois une nouvelle rencontre courant d'été, mais là, vraiment, j'insiste là-dessus, ouvrez-vous à l'autre. D'accord. Hein, c'est important. Et oui, je vois en effet une rencontre courant d'été. Cette année ? Oui, je le vois cette année. Hein. D'accord. Je ne la vois pas l'année prochaine. Hein. D'accord. D'accord, Clémentine. D'accord. Donc, maintenant... On attend bien évidemment le courant d'été. Et là, hein, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Travaillez sur l'ouverture. Parce que, bien évidemment, si vous restez trop méfiante, vous allez passer à côté. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Et là, après, vous me rappellerez. Donc là, vous ferez gronder, Clémentine. D'accord. Et c'est quelqu'un de bien ou... Oui. Si ça avait été quelqu'un, si vous voulez... je dirais d'une manière générale sournois ou je vous aurais dit Clémentine voilà, il va y avoir un homme et surtout ne lui faites pas confiance hein. Oui, est-ce que je peux vous poser une autre question? Malheureusement non Clémentine, non. Parce que d'accord. J'ai d'autres appels derrière. Alors Clémentine, d'accord. Je vous invite à bien évidemment refaire le 3255 ou m'appeler hors antenne hein, en stipulant un numéro d'identifiant qui est le 7088. Alors, avant de s'abandonner, Clémentine, à mon grand regret, est-ce que vous pourriez me donner le chiffre magique ? 10. Clémentine ? Allô ? Oui. Alors, Clémentine, donnez-moi le chiffre magique. Je n'ai pas compris. Clémentine, donnez-moi le chiffre magique. Je ne sais pas. Entre 1 et 51. 10. Ah, malheureusement... Clémentine, la porte reste donc fermée. Vous ne pourrez pas, donc malheureusement, accéder hein, à cette consultation gratuite. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vous invite à refaire le 3255. À bientôt. Merci, Clémentine. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On va prendre de suite un autre appel. Continuez à composer le 3255. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Didier. Bonsoir, Didier. Votre date de naissance ? Le 12 avril 66. Alors, quelle est votre question ? En fait, voilà, j'aimerais changer de région, voilà. Oui, parce que j'allais vous parler de changement, là. Voilà, donc j'habite vous allez dans habiter le à côté de Jura. Et j'aimerais partir dans le sud. Oui, parce que vous allez habiter à côté de l'eau, hein. D'accord. Vous allez habiter dans une région qui fait mer, montagne et forêt. D'accord. Et là, c'est rapidement, hein. Ben là, j'ai encore pas... Je voulais envoyer mes CV, en fait, pour le travail et tout, mais je voulais savoir ce que vous en pensez. Ah ben, foncez, hein. Je le fais ? Ah oui, foncez, là, c'est une super opportunité, hein. D'accord. Donc, vous pensez que ça... Parce que, de toute façon, vous avez ras-le-bol, là, vous en pouvez plus. Ouais, j'en ai marre, oui. Voilà, vous tournez en rond. Vous avez fait le tour des choses, des gens, etc. Vous avez besoin, je ne dis pas envie, je parle de besoin. Là, maintenant, vous avez besoin de renouveau. C'est et ça, de renouvellement. Tout à fait. Parce que vous sentez, oserais-je dire, vieux. Vous savez, alors pas vieux à proprement dit, mais vieux parce que c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même chose. C'est ça. Donc, vous avez vraiment besoin de... d'exploser les choses, de scier vos barreaux, parce que maintenant, on peut parler hein, d'enfermement, d'emprisonnement, parce que vous avez vraiment l'impression d'être emprisonné, enfermé. Donc, arrêtez de vous poser des questions, foncez. D'accord. Donc, ça sera même pour le travail, alors. Ah oui, c'est la bonne période. Là, maintenant, il faut le faire. Hein. D'accord, parfait. Parce que dans 3 mois, il sera trop tard. On ne sera pas, on ne sera plus dans la bonne période. D'accord. Vous aurez, si vous voulez, passé... votre opportunité.
D'accord. D'accord. En plus, Didier, oui. Vous m'avez appelé juste pour une confirmation, hein, parce que oui. Vous le savez déjà, hein, tout ce que je vous dis. Ah, je ne le savais pas, non. Mais si, vous le savez que maintenant, il est temps que vous partiez. Ben, je m'en doutais, j'avais un pressentiment, mais bon, j'étais pas sûr. Voilà. Eh ben, écoutez, maintenant, moi, je vous ai donné, je dirais, l'assurance que votre idée est la meilleure. Parfait, merci. Merci, Didier. À bientôt, et puis bon déménagement, alors. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah oui, non, Didier, allô, Didier. Oui. Le chiffre magique, s'il vous plaît. Ah oui, alors, le 12. Entre 1 et 51. Le 12. Ah, Didier, malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Je vous invite donc à refaire le 32-55. D'accord, je vous remercie. De décrocher le chiffre magique. Merci. Merci, au revoir. Composez toujours le 32-55 afin que je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite encore un autre appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Christophe, enchanté Carole. Enchanté Christophe. Quel est votre prénom ? Christophe. Pardon, excusez-moi Christophe, je n'ai pas entendu. Christophe. Oui, Christophe, j'ai entendu. C'est la date de naissance dont j'ai besoin. Le 4-6-1966. Quelle est votre question, Christophe ? Ça, c'est de l'ordre sentimental avec Nadège, qui est née le 22 novembre 1972. Je vous entends très très mal. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort ? Oui, tout à fait. Là, vous m'entendez ? Oui, là, ça va aller. On va se débrouiller, vous inquiétez pas. Alors, ma question est d'ordre sentimental. Oui, j'ai bien compris. Alors, Christophe, vous posez beaucoup de questions, en effet, par rapport à Nadège, parce que là aussi, vous la sentez un petit peu instable. Mais oui, pourtant, je vois quand même une concrétisation, hein. Ouais, si vous pensez, moi je veux bien, ouais. Ouais, il y a une concrétisation, mais bon, par contre, accrochez-vous, hein. Je sais qu'il faut. Parce que là, il y a du caractère, quand même, hein. Ouais, exactement, ouais. Et à la limite, oserais-je dire, il y a trop de caractère, si vous voulez, c'est à la limite du sauvage, entre guillemets, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a extrêmement peur de faire confiance. Donc, elle se cache, si vous voulez, derrière cette forme de, d'agressivité, de prison, vous voyez. Elle essaie de fuir et elle essaie de, comment vous dire, de vous faire comprendre que non, c'est pas possible. Ouais, c'est exactement ça. Mais pourtant, entre ce qu'elle dit et ce qui est vrai, il y a quand même une différence. Hein. Pardon ? Je dis entre ce qu'elle dit et ce qui est vrai, il y a une certaine différence. Oui, c'est ce que je pense également. Hein. Maintenant, il faudra de la patience, hein, Christophe. Hein. C'est pas encore qu'on va réussir à être enfin en harmonie. Hein. Ouais, mais comment dois-je me comporter ? Est-ce qu'il faut que je l'attende ? Est-ce que... Alors, moi, je ne vais pas vous dire d'attendre véritablement. Moi, le conseil que je vais vous donner, Christophe, c'est de continuer votre vie tout en lui expliquant les sentiments que vous avez pour elle. Mais plus vous allez attendre, plus vous allez lui donner, si vous voulez, cette importance, plus elle va en jouer. Oui. D'accord ? Parce qu'il y a quand même, là, une relation un peu au jeu, vous voyez ? Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Donc, prenez du recul, Christophe, et moi, si j'étais vous, je lui dirais une dernière fois les sentiments qui vous chagrinent, en l'occurrence. Vous lui dites, bien évidemment, que vous l'avez dans votre cœur, que vous l'accueillerez dès qu'elle sera prête, je dirais, avec les bras ouverts. Mais après, il faut arrêter. Et il faut la laisser, je dirais, prendre conscience qu'elle peut vous perdre. D'accord. Parce que si vous continuez, si vous voulez, Christophe, dans ce sens-là, elle sera sûre et certaine de vous posséder, entre guillemets. D'accord. Et dans cette possessivité, il va y avoir du jeu. Et c'est vous qui, au final, risquez d'en souffrir. C'est le cas actuellement, déjà. Ouais. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut couper. D'accord. Donc, d'accord, Christophe. La première fois... Que j'ai vraiment sur le cœur, voilà. Et... Moi, je crois qu'il faut être sincère, c'est-à-dire que, oui, en effet, il faut lui dire ce que vous avez sur le cœur, et c'est tout.
Une fois, si vous voulez, que vous lui avez tout dit, elle le sait. Donc après, à elle de voir, à elle de décider, à elle de réfléchir. D'accord. D'accord, mais bon, Christophe. Je lui ai déjà dit, hein. Je lui ai déjà fait savoir tout ça, mais bon... Il faut réitérer. Pourquoi il faut réitérer, Christophe? Pour que, justement, après, vous puissiez, là, vous permettre de couper. D'accord. Vous comprenez? D'accord. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. D'accord, d'accord. Ok. Mais bon, à l'avenir, vous voyez vraiment la revenir ou comment ça se passe Moi, je vois quand même la relation se construire, mais c'est quand même pas encore. Hein. On parlera de fin d'année 2013. Hein. C'est-à-dire fin 2013 hein. Ah, moi, je vois quelque chose entre octobre et novembre qui se déclenche, mais pas avant. Il va falloir que vous preniez du recul, il va falloir que vous puissiez, si vous voulez, la laisser réfléchir. Et c'est quand elle aura un peu, entre guillemets, fait tout et n'importe quoi et, dans sa tête et qu'elle aura vraiment pris conscience qu'elle vous a perdu, qu'elle reviendra. D'accord, ok. Il faut qu'elle prenne conscience qu'elle vous a perdu. D'accord, ok. D'accord, Christophe. Même si elle me dit, mais maintenant, écoute, laisse-moi tranquille, je ne veux plus rien savoir... Je vous entends très mal. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Même si elle dit maintenant, actuellement, qu'en fait, elle ne veut plus rien savoir, qu'il faut que je la laisse tranquille. Mais oui, mais c'est elle qui est en position de force. D'accord, ok. Donc, tant que vous n'entendez pas ou que vous n'écoutez pas sa soi-disant volonté, il n'y aura pas d'élément déclencheur. D'accord, ok. D'accord, Christophe? Ok, ça marche. Et si vous voulez bien évidemment qu'on approfondisse, appelez-moi hors antenne. D'accord. Okay. Alors, Christophe, avant de se laisser, donnez-moi donc le petit chiffre magique qui vous permettrait qu'on puisse approfondir pendant au moins 10 minutes gratuitement. Ben, je vais vous dire le 8. Hein. Malheureusement, Christophe, ce n'est pas le bon chiffre. À bientôt. En tout cas, merci d'avoir encore essayé et de m'avoir appelé. Merci, Christophe. À bientôt. À bientôt. Au revoir. On va prendre tout de suite un autre appel, mais n'hésitez pas, continuez à composer le 3255 afin que je puisse, Carole, moi, médium, répondre à vos questions, à vos attentes. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Fouad. Fouad, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis né le 3 juin 1980. Quelle est votre question? C'est d'ordre sentimental. Je voulais savoir si j'allais faire une rencontre prochainement. Oui. Là, ça va arriver, là. Hein. Là, ça va arriver. Alors, je vois beaucoup de lumière. Donc, ce sera... Je vois beaucoup de lumière et la nuit. C'est ce qu'on me dit. Donc, je pense que ce sera au cours d'une sortie que vous rencontrerez cette personne. Mais là, elle arrive. Hein. Je suis même étonnée qu'elle ne soit pas encore dans votre vie. Donc, on va parler de un mois. Hein. 4 à 6 semaines maximum. Hein. D'accord. Mais là, c'est sûr et certain. Hein. Parce que vous êtes open, et déjà en premier, et puis parce que de toute façon, vous la recherchez, entre guillemets. Donc comme vous la recherchez, vous êtes, si vous voulez, dans ce que moi j'appelle l'ouverture. Et en Tao, on appelle ça l'ouverture. Donc l'ouverture, ça veut dire on ouvre les choses pour les faire venir. D'accord. D'accord. Donc moi, vraiment, j'ai aucun doute quant à une prochaine rencontre. Hein. Par contre, ce sera... moi, je vois un rapport avec l'Angleterre. Hein. Ce sera quelqu'un d'étranger et il est tout à fait possible que ce soit une Anglaise. Ah. Une Anglaise où les parents seront anglais ou en tout cas de dominance anglaise. Il y a un rapport avec l'Angleterre là-dedans. D'accord. D'accord, Fouad? D'accord. Donc, maintenant, on se fait beau. On se rase. On va chez le coiffeur. On met le plus beau costume et on sort et on fonce. D'accord, bah ça marche. Y a pas d'accord, Fouad ouais. D'accord. Avant de se laisser, le petit chiffre magique. Le 2. Malheureusement, Fouad, non. Ce n'est pas le bon chiffre. Je vous invite donc à réessayer ultérieurement. D'accord, merci, Fouad. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes. Et si vraiment vous avez envie de vous entretenir avec moi en consultation privée, appelez-moi sur la plateforme en composant le numéro d'identifiant 7088. On va prendre maintenant
le dernier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Je m'appelle Claire. Quelle est votre date de naissance? Je suis née le 16 mai 62. Quelle est votre question? C'est dans le domaine sentimental. Alors, on dirait que vous êtes tracassée par quelque chose. Hein? Oui. Il y a un homme là-dedans. Hein? Mm-hmm. Oui. Il y a un homme, apparemment il y a eu un éloignement. Hein? Oui, ben oui, sûrement. Je suis en plein dedans. Il y a un éloignement, bon, il y a un retour, mais on dirait que cette personne-là, elle a été, elle est comme décidée, si vous voulez, et en même temps, elle ne l'est pas. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que vous êtes un petit peu, je dirais, dans l'instabilité, parce que vous, ouais. Vous aimez les choses carrées. Hein. Oui, oui. Mais... Vous aimez les choses oui. droites, mm-hmm. vous aimez les choses carrées, et vous avez l'impression, là, d'être face à quelqu'un qui je dirais qu'il se déséquilibre petit à petit. Pourtant, ce n'était pas quelqu'un de totalement déséquilibré. Mais non. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il perd pied, qu'il perd le contrôle. Mm-hmm. Donc, on peut dire que oui, il y aura un retour, mais à nouveau, il y aura un départ. Hein. Mm-hmm. Donc, courant d'été, un retour. Je vois quand même en juin une possibilité d'évolution, mais qui sera une fausse évolution. C'est-à-dire qu'on parlera... de reconstruire. On parlera là de repartir sur de meilleures bases, mais ouais. Ça s'effondrera de ouais. nouveau d'accord. un mois et demi après. Hein. D'accord. Et il y aura à nouveau un retour et il y aura à nouveau un départ. Et ça, on va faire ça tout 2013. Hein. Oui, d'accord. On a fait déjà ça depuis 2008, dire c'est comme ça. Ouais. Moi j'ai un souci avec cet homme, c'est que c'est qu'il n'a pas conscience réellement du mal qu'il vous fait. Non, pas vraiment. Non. Et donc moi je ne peux pas me permettre de vous dire quittez-le ou attendez-le. La seule chose que je puisse me permettre de vous dire, c'est acceptez-le tel qu'il est, tout en parallèle. Continuez votre vie. Je sais que c'est facile à dire, mais je crois que c'est la seule solution, parce que de toute façon, vous dire « séparez-vous de lui, même si je suis médium, je ne suis certainement pas habilitée à mm-hmm. ordonner quoi que ce soit, le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Donc, bien évidemment, moi, la seule chose que je puisse vous conseiller, c'est d'accepter tel qu'il est, d'accepter sa personnalité telle qu'elle est, mais surtout vous, en parallèle, de construire une autre vie, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans l'attente. Mm-hmm. D'accord. D'accord ? Oui. Je pense que ça, c'est la meilleure des choses. Et de surcroît, en ayant, si vous voulez, cette prise hein, de recul sur les événements, se lâcher prise aussi sur vos attentes, eh bien, ça risque bien, là, je dirais, de tourner en votre faveur. Mais à la limite, je ne préférerais pas vous le dire pour que vous puissiez travailler sur vous-même et de couper cette dépendance affective dans laquelle vous êtes. Pas facile, mais... D'accord. D'accord. Alors, avant tout, avant de se quitter, donnez-moi le petit chiffre magique. Alors, le 16. Malheureusement, ce n'est pas le 16. Merci de votre appel. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Alors, bien évidemment, c'était le dernier appel. On va se retrouver bientôt, très bientôt. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Pas du tout. Donc, on va prendre un autre appel, peut-être. Allez, on prend un autre appel, alors. On est un petit peu en avance, en fait, hein, sur l'horaire. Ce sont les aléas du direct. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? David. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 9 août 1992. Quelle est votre question? En fait, je voudrais savoir, parce que je suis actuellement en couple. Oui. Et en fait, avec mon copain, j'essaye de récupérer mon couple, mais apparemment, ça ne se passe pas comme je voudrais. Donc, je voulais savoir s'il fallait que je laisse tomber ou le laisser partir. D'accord. Enfin, ou le récupérer. Ou... Oui, je comprends. Donnez-moi son prénom. Michael. Sa date de naissance? Le 6-6-1972. Bon, c'est vrai qu'actuellement, on peut parler de séparation. Hein. D'accord. Actuellement, apparemment, il est réfractaire
un petit peu à tout ce que vous pouvez lui dire. Ouais, je ne comprends pas pourquoi. Parce que oui, alors justement, parce que j'avoue, si vous voulez, que là aussi, on arrive à comme à une finalité, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un ras-le-bol général, d'accord ? Vous n'y êtes pas pour grand-chose là-dedans. Je crois que c'est quelqu'un actuellement qui ne va pas très bien avec lui-même et qui a envie un petit peu d'envoyer tout balader, vous voyez ? Un petit peu comme un pétage de plomb, en fait. Oui, d'accord. Alors, on dirait quand même qu'il y a eu un élément déclencheur chez lui qui n'a rien à voir avec vous, il y a quelques mois. Oui. Alors, qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Parce que apparemment, il y a eu quand même un élément déclencheur. Il y a eu un rapport, si vous voulez, avec quelque chose qui lui a fait mal. Je ne peux pas voir vraiment, je ne sais pas trop ce que ça peut être. D'accord. Est-ce que quand vous communiquez avec lui, que vous discutez avec lui, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ben, il ne me répond pas souvent. Oui, il garde le silence. Je le saoule souvent, comme là, on vient de s'engueuler. Oui, d'accord. Bon, alors, moi, je vous inviterai à ce qu'on approfondisse hors antenne, hein, parce que moi, pour le moment, je vois, si vous voulez, une sorte de ras-le-bol général. Hein, vraiment, ouais. Je vois une envie de séparation, mais pas à cause de vous, hein, d'accord ? Ne culpabilisez pas. C'est absolument pas à cause de vous. J'ai l'impression que c'est lui qui va pas bien, vous voyez ? Oui, d'accord. Et qui a envie d'envoyer tout balader, sans réfléchir, et pas spécialement pour reconstruire. Oui, c'est ce qui me fait comprendre. C'est vraiment envoyer tout balader parce qu'il n'en peut plus, il est à bout. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir pourquoi il est à bout. Ben oui, c'est ça que je ne comprends pas. Donc là, je pense sincèrement que ce serait peut-être bien qu'on s'entretienne hors antenne pour pouvoir justement approfondir. Si vous voulez, comme ça, en deux minutes, c'est difficile pour moi de vous dire, voilà, c'est pour ça et pour ça. Vous comprenez ? Oui, d'accord. Hein, mais quoi qu'il en soit, vraiment, là, je pense que ce serait pas mal qu'on s'entretienne hors antenne. D'accord. D'accord ? Oui, il faudrait juste que je fasse quoi actuellement ? Et j'ai bien compris. Alors, on va être obligé hein, de couper. Rapidement, donnez-moi le chiffre magique. Le 19. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Malheureusement, puisque le chiffre, en fait, de la carte ce soir, c'était le numéro 27. Ah, à bientôt, merci beaucoup. On va prendre tout de suite la question répondeur. Oui, bonjour. Je m'appelle Christine. Je suis née le 7 février 1954. J'appelle actuellement de Dordogne, 24. Je voudrais savoir si je vais faire prochainement une rencontre sentimentale importante. Alors, oui, rassurez-vous, hein, rassurez-vous. En effet, je vois hein, une nouvelle rencontre. C'est vrai que la solitude vous a marqué. On me parle d'un André. Hein, donc, cette nouvelle rencontre se fera avec un André, quelqu'un qui aura un rapport, on me parle de la Terre, hein, qui a un rapport avec la Terre. Je vois bien évidemment cette relation pouvoir durer, pour ne pas dire perdurer. C'est tout à fait possible qu'à la fin, je dirais, de cette concrétisation d'union, il y ait ou un mariage ou un pax. Donc, c'est dans l'été. Alors, tout petit peu encore, je dirais, de patience. Cette rencontre va se faire de manière fortuite. On me parle à la terrasse d'un café. Donc, je pense que ce sera vraiment une rencontre, hein, comme je l'ai dit précédemment, fortuite, mais en rapport avec quelqu'un que vous connaissez déjà, donc par intermédiaire d'une de vos connaissances. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Je vous invite bien évidemment à composer dès demain soir le 3255 à partir de 21h30 et ce jusqu'à 23h. Merci. Au revoir, Christine. Alors, maintenant, nous arrivons au terme de notre émission. Là, c'est du vrai de vrai. Je vous retrouve demain soir de 21h30 à 23h. Composez bien évidemment le 3255 à partir de demain. J'ai été très heureuse de vous retrouver à nouveau. À demain. Bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ?
Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel. We'll be right back.